Crash, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 122 de Skyrim. 122, c'est violent. Donc on était ouf, je sais plus du tout, hein, forcément comme d'habitude. Il est minuit 50 ça d'ailleurs, et on est le 3, c'est ça, 3 août 2015. Qu'est-ce qu'il faut, bonjour. Ah t'es là, d'accord, bonjour. C'est toujours encourageant de voir les jeunes générations prendre leur éducation au sérieux. Vous avez entendu parler de l'augure? Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Ma parole, cela fait des années que je ne lui ai pas parlé. Je suppose qu'il est toujours à l'hyposcole, mais je ne pourrais pas vous le certifier. Comptez-vous aller le voir? Présentez-lui mes respects, si vous le voulez bien. Bien sûr. Et c'est où l'hyposcole? Sous l'académie. L'hyposcole? Ce n'est pas un endroit très accueillant. Faites preuve de la plus grande prudence si vous vous y rendez. Tu peux m'en dire plus ou pas? Vite fait, tant que je boive un coup au passage. Eh bien, j'imagine que ça ne le gênerait pas. Tout ça, c'était avant mon époque, vous savez. Certes, on m'a raconté ces histoires, mais ce sont celles que tout le monde connaît. C'était un étudiant brillant, doublé d'un magicien accompli. Passionné de magie, à un point absolument extraordinaire. Je pense toutefois qu'il s'est trop focalisé sur la quantité de puissance qu'il pouvait acquérir, et c'est ce qui a provoqué cet accident. Ok, non, on s'en fout. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. En effet, c'est un peu gênant, mais il semblerait que j'ai égaré quelque chose. Je ne retrouve plus mon alambic. Je pourrais en utiliser un autre, mais... Aussi ridicule que cela puisse paraître, il a une valeur sentimentale à mes yeux. D'accord. Si vous le trouvez, pourriez-vous me le rapporter? Certes. Qu'est-ce que vous avez perdu? Un alambic, il a dit. Mon alambic. J'en ai besoin pour mes recherches, mais impossible de mettre la main dessus. Ok. Bon, voilà. À la prochaine fois. Ouais, bisous. On va chercher ça. L'hyposcole. L'hyposcole, apparemment. C'est ça, l'hyposcole. Les filles, vous étiez quoi? Ouais. Ça fait bizarre d'avoir ça sous le... sous l'académie. Bon, bah, je vais... Bon, on va pas aller dans le pavillon. Bon, d'accord. Comme d'hab, j'aime pas ça. J'ai absolument pas pris la bonne route. Enfin, où je vois pas en... Non. Bon, bah on va tracer, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout où faut aller. Ah, moi aussi j'ai le même sort. Regardez, hop là. Ouais. Bon, sauf que moi ça dure moins longtemps que toi. C'est par là. Et déjà, qu'est-ce que c'est? Tronc. Faut que je mette des trucs alors. Ah, ça va être un dédra, je pense. Porte d'Oblivion. Ah. Ah non, je croyais que c'était un coffre, merde. Ah, du cuir. Les bandes de cuir. Il n'y a pas d'ennemis. Putain, sérieux, on était là, d'accord. Bon, bah, ok. L'hyposcole noire. Ouh. L'hyposcole. Putain, ils ont dit hyposcole. Hein. Alors, j'ai mes armes depuis tout à l'heure qui ne servent à rien. Ah bah forcément, au moment où je les range, quoi. Il est où? Je l'ai perdu. Merde.
Ah, il est mort. Vas-y, prends tout. J'ai envie d'aller voir le coffre là, mais le problème c'est que je ne pourrai pas revenir. Barre-toi. Allez, on va faire la route directe. Votre persévérance ne peut conduire qu'à la déception. Qui me parle ? Encore ? Très bien. Vous pouvez entrer. Merci. Augure. Alors comme ça, c'est vous le dire. Je suis celui que vous cherchez. Vos efforts sont vains. Cela a déjà commencé. Mais ceux qui vous envoient ne vous ont pas dit ce qu'ils cherchent. Ce que vous cherchez. On m'a demandé de vous retrouver. Et qu'est-ce que je cherche aujourd'hui ? Vous cherchez la même chose que tous ceux qui font usage de magie. Le savoir. Vous finirez par apprendre qu'il corrompt, détruit et consume. Ouais. Vous recherchez un sens dans le savoir, un refuge. Vous ne les trouverez pas. Le Talmor cherchait la même chose, et cela le conduira à sa perte, comme tant d'autres avant lui. Quel Talmor ? Celui qui se fait appeler Ancano. Oh, je le savais. Il recherche des informations à propos de l'œil, mais ce qu'il trouvera sera bien différent. Son chemin finira par croiser le vôtre, mais vous devez d'abord trouver ce dont vous avez besoin. Le savoir. De quoi ai-je besoin ? Ce qui vous aide, et vous-même, cherchez à en savoir plus sur l'œil de Magnus. Oui. Vous espérez éviter une catastrophe dont vous n'avez même pas conscience. Pour pouvoir regarder au travers de l'œil de Magnus sans perdre la vue, il faut son bâton. Le bâton de Magnus. Les événements tourbillonnent rapidement vers leur centre inévitable. Aussi devez-vous faire vite. Apportez ce savoir à votre archimage. Très bien. Ok. Merci. On va pouvoir ranger ça. Il n'y a pas un coffre, rien là. Ok. On va finir vite fait la petite visite. C'est à gauche là, voilà. On va vite fait aller voir ce qui s'y passe. Alors j'aime beaucoup le côté sombre et éclairé derrière. Quand on arrive. Oh ! J'ai 611 ans, je n'ai jamais eu d'enfant. Oh la vache, 611 ans. Ok. Sacré bouquin celui-là. Ok. On arrive là, je sais pas du tout où on est. Je peux rien faire avec ça. Y a pas un levier, quelque chose là ? Do you have something to say? Bah ouais. Bon bah on peut pas y aller. Oh, une chèvre vide. Oh là là, mais je me suis perdu, hein. Ah, il y a le coffre qui est pas loin, non, c'est ça? Yes. J'arrive. Allez, vas-y, 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 vas-y. Do you believe this story? Y a rien dedans, super. Destroying the city of Winterhold. Bon, bah, on va essayer de regarder, ça m'intrigue ce truc là. Let alone a city. Oui, je me suis perdu. Raté. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Putain, j'ai eu trop peur. Elle m'a trop fait flipper. Pourquoi je ne peux pas ouvrir, récupérer ça?
S'il y a 5 bagues. Je les veux, moi, les bagues. C'est quoi ça, celle de feu? Ok, bon, bah. Ah, je me suis coupé. Bon, on va retourner voir l'archimage. C'est par là. Eh, je suis pas mal, hein. Nipposcol. Je puis? Oh. Ah ouais, non, pas du tout. J'ai confondu. Non, c'est au-dessus, c'est ça. Je viens d'où? Je viens de là, hein, c'est ça. Et vous avez vu, j'ai fait un tour sur moi-même. Je suis perdu. Donc là, on est passé par là. Oui, il y avait la lumière que, comme moi. C'est ça, à la vache. Ah, j'ai pas vu que c'était pas un coffre, évidemment. Oui. Alors, il est 1h01, comme d'habitude, à 1h01, c'est les messages. Les petits messages, 1h01, c'est parti, c'est envoyé, merci. Faut qu'on aille. Genre que vous mettez mon chrono du coup. Voir l'archimage, j'avais déjà oublié quoi. Essayez de ne pas déranger. En canot, non c'est pas en canot, tu ressembles à en canot. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un moine de l'ordre des psychiques ici, après tant d'années. Et puis il s'en va. J'espère que nous ne l'avons pas offensé. Mais non. Qu'est-ce qu'il voulait? À part demander à vous voir, il n'a rien dit. C'est très étrange, en effet. J'ai des informations importantes pour vous. Vraiment? Je vous écoute. Il me faut le bâton de Magnus. Pardonnez-moi? Eh bien, j'adorerais certainement posséder un bâton aussi puissant. Mais je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin. Si. C'est lié à l'orbe que nous avons trouvé. Mais comment pouvez-vous le savoir? J'ai parlé avec le Gurd de Dune. Vraiment? Et il a évoqué le bâton de Magnus en particulier? Voilà. Je suis impressionné par votre initiative. Naturellement, quelqu'un devra examiner cette affaire. C'est de moi que vous voulez parler, pas vrai? Parfaitement. Puisque vous avez pris la peine de demander conseil à l'augure, je pensais que vous seriez plus enthousiaste. Un objet aussi ancien et particulier que le bâton de Magnus, je doute que nous le trouvions un jour. Je crois me souvenir que Mirabelle a parlé de ce bâton récemment. Je vous suggère de lui demander des renseignements. Ok, je vais voir Mirabelle. Je suis très satisfait de vos progrès, vous le savez. Vous avez prouvé que vous aviez dépassé le stade de l'apprentissage. Bravo. Merci. Cette couronne m'a été très précieuse dans le passé. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Merci. Couronne du mage. Objet. Tenue. Couronne du mage. Magie plus 70. Et moi j'ai destruction. Ah ouais, non mais. Carrément, on a violence. 270 en magie, cool. Mirabelle. C'est ça, hein? Je sais plus. Allez là. Essayez de ne pas déranger l'archimage, à moins que ça ne soit absolument nécessaire. Vous savez des choses sur le bâton de Magnus? Voilà une question étrange. En quoi cela vous intéresse-t-il? L'archimage Arène m'a dit que vous en aviez récemment parlé. Je vois. Eh bien oui, il est possible que j'en ai parlé. Même si j'ignore ce qu'il veut que je vous dise. Je lui en ai seulement parlé il y a quelques mois, quand le Synode est arrivé ici pour le chercher. Ils avaient manifestement l'impression qu'on le gardait caché dans un placard. C'est
C'est quoi le synode ? Des mages qui viennent de Cyrodiil. Depuis quelques siècles, ils aiment à se faire passer pour une sorte d'autorité impériale de la magie. D'après moi, ils essaient surtout de faire le plus de bruit possible, afin d'obtenir des faveurs de l'Empereur. Beaucoup de politique et peu de magie. J'ai été assez surprise de les voir ici. Ils semblaient aimables, mais leur façon de poser des questions m'a mise mal à l'aise. Il est devenu évident qu'ils essaient de rassembler de puissants artefacts pour renforcer leur pouvoir. Mmh. Autrement dit, personne ne sait où se trouve le bâton. Personne d'ici, non. Le synode semblait persuadé qu'il se trouve quelque part en bord de ciel. Oui. Ils ont posé des questions sur les ruines de M'Zulft, mais c'est tout ce dont je me souviens. M'Zulft. Ils avaient l'air de vouloir se rendre là-bas, bon, même s'ils ne voulaient pas dire pourquoi. Si vous avez l'intention de rechercher ce bâton, il y a des chances pour que vous les trouviez encore à M'Zulft. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils soient très coopératifs. À M'Zulft. Ok, bon, merci. Allons à M'Zulft. Mais non, j'ai dit merci, j'ai pas dit que je voulais Google. Mon téléphone il craque. M'Zulft, c'est où ? C'est par là. C'est par là et j'ai pas mieux que ça. Wow. Bon bah on va partir d'en bas déjà, on va au bosquet. Bosquet de je sais plus quoi. Les impériaux viennent de Cyrodiil, leur cœur cosmopolite de l'Empire. Le cœur cosmopolite de l'Empire, une fois par jour, ils peuvent se servir de la capacité voix de l'Empereur pour calmer temporairement. Bon, bah... Eh, oh, 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 crains. Il est où? On ne sait pas. Eh bah du coup, je vais pouvoir fouiller la baraque, là, vite fait. T'as le temps pourri. Oh, une tête de bouc... Ah, des plumes d'arfreuse. D'arfreuse. C'est quoi ça? Un bol pourri? Putain, qu'est-ce qu'il y a comme plume d'arfreuse? Pardon, pardon, j'ai dit. Most people usually buy me a drink first. Pardon. De... Elle m'éclate. Ah, est-ce qu'on peut se les faire, tiens? Sérieux? Voilà. Ah, faut que je... Vite, 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 faut que je mette... Fandragon. Voilà, violence. Voilà, violence. Oh, 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 oh. Oh, le festival. Ouais, bon, bah vas-y, va là-bas, Sophia. Ah, wow. Ah oui, mais merde, là, par contre... Yeah. Donne-moi ton âme. Non. Non. Oui. Oui. Non, non. Eh oui. J'arrive, hein. Âme de dragon. Sophia, cool. Yes. Oh. Storage. Oh, you're no fun. Mais si, je suis fun. Avec moi, c'est que du fun. Tu me prends ça. Et. Voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai des trucs pour toi, des livres? Ok. Tenue.
Non. Arme. Ok. Bon. Bah, on va s'arrêter là-dessus, du coup, hein. Alright, then. Alright. Il est où, mon poney? Encore un dragon. Chevaucher, craint l'ombre. Bon, bah, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Sauvegarder, on fait une nouvelle sauvegarde, la 123 pour l'épisode 123. Voilà. Mais tais-toi! Mais oui, mais tais-toi! Je vous donne rendez-vous donc. Là, on est quand? On est mardi. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi matin pour l'épisode suivant, l'épisode 123. Allez, ciao tout le monde! Ouh.